Afin de réaliser votre insertion dans le site, créez simplement une nouvelle caméra, nommez celle-ci. Vous pourrez ensuite sélectionner l'image de fond. Celle-ci apparaîtra directement. Vous pouvez bien entendu régler l'intensité lumineuse de votre image de fond. Si vous souhaitez intégrer proprement votre bâtiment dans le site, vous pourrez choisir le type d'image de fond, insertion dans le site. Le sol infini sera alors masqué. Vous verrez votre bâtiment intégré directement dans l'image. Vous pourrez ensuite choisir un avant-plan. N'hésitez pas à utiliser le champ de recherche si besoin. Vous pourrez ensuite appliquer une rotation à votre bâtiment pour qu'il se trouve dans la bonne rotation par rapport à votre image de fond. Vous allez ensuite devoir caler la perspective à l'aide du bouton édition disponible à ce niveau-là, qui va nous permettre de calculer le placement exact de votre caméra par rapport au site existant. Une fois que vous avez calé vos différents points, vous pourrez fermer l'édition de la perspective pour retrouver votre bâtiment placé directement dans le site. Bien entendu, vous allez pouvoir jouer sur la rotation, l'échelle et déplacer le projet directement à l'écran. La rotation, vous l'appliquerez directement avec le curseur disponible à ce niveau-là. Vous allez aussi pouvoir appliquer une échelle. Vous voyez que là, dans mon cas, le bâtiment commence à masquer le bâtiment qui se trouve au deuxième plan. Donc pas de problème, je vais pouvoir déplacer tout notre bâtiment pour venir l'aligner, aligner en tout cas l'arête avec le bâtiment existant juste à côté. Voilà. Voilà, avec le bon avant-plan, c'est mieux. Donc là, vous voyez que par exemple, mon bâtiment est un tout petit peu plus grand. En fait, cette arête ne devrait pas être visible, elle est continue avec le bâtiment existant. Donc je vais simplement pouvoir jouer un petit peu sur l'échelle, redéplacer celui-ci, voilà, comme ça. Et là on est à peu près bien, voilà, même un tout petit peu plus. Voilà, bon là, pour être plus précis, je vais faire directement à la molette dans le champ. Voilà. Jusqu'à 67, voilà, et puis peut-être déplacer légèrement mon bâtiment pour que l'arête soit continue. Hop, nickel. Voilà. Donc bien entendu, après vous pouvez habiller votre maquette.